comprends pas, je sais pas moi, quelque chose comme... Talking about my generation. Vous allez bien, c'est Gloomy. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça. Je pense même que ce sera la première vidéo de ma chaîne où je vais vraiment vous parler un peu comme ça à cœur ouvert, où vous allez me voir moi en fait, genre surtout vraiment moi. Bon après c'est toujours le cas dans mes vidéos, mais bon là vous allez vraiment voir une... on va dire découvrir un peu ma vie. C'est pas du tout une vidéo que j'ai l'habitude de faire. Tu vois là je suis pas trop... je sais pas en fait, je suis pas trop enthousiaste à l'idée de faire cette vidéo. Je te conseille de t'asseoir, t'installer tranquille. Va prendre un truc agréable à manger, à boire. Bon c'est la même chose mais bon t'as capté. Tu te prends, tu te cases et tout, avec complète tout ça. Non et j'avoue il fait 8000 degrés, n'a qu'à te mettre en culotte et regarder ma vidéo tranquillement. N'a qu'à passer à la vidéo depuis je blablate. Les gars, je tiens à faire un petit disclaimer avant que la vidéo ne commence. S'il vous plaît, je demanderai vraiment votre compassion, votre empathie. Captez, genre, sois pas aigri, sois pas con, sois pas bête directement à venir m'attaquer moi ou les personnes que je vais citer dans les commentaires. Ça ne sert absolument à rien. Là, je vous raconte une histoire qui s'est passée dans ma vie, voilà. Parce que quand ça va, c'est cool, je vous le dis, je vous le montre, mais quand ça va pas, bah malheureusement, là, j'allais pas bien pendant quasiment 6 mois. Du coup, je n'étais pas présente sur les réseaux sociaux, pas présente sur YouTube, etc. Et du coup, je pense que je vous donne des explications. Donc s'il vous plaît, je vous demanderai vraiment de ne pas juger, que ce soit ma vie ou autre. Je sais pas, je pense que t'es assez grand ou grande pour regarder une vidéo sans pour autant juger ou quoi que ce soit. Là pour le coup, je vais partager une expérience parmi tant d'autres. Mais je sais pas par où commencer, hein. Il s'est passé tellement de trucs dans ma vie depuis. Je vais vous raconter l'histoire depuis le début, sans pour autant rentrer dans les détails en fait, parce que je trouve que ça ne sert à rien en fait, simplement. Parce que bon, cette histoire est un peu longue et j'ai essayé de faire vraiment au maximum pour vous l'écourter, que vous compreniez en fait aussi sur tout ce que je veux dire. J'étais vraiment mal ces derniers mois, j'étais en dépression en fait pendant 6 mois et bah je viens tout juste de me remettre un peu à m'aimer, à avoir confiance en moi, à sortir, à faire du sport. Donc voilà, en fait c'était, tout allait bien dans ma vie, t'as vu, enfin non, pas, absolument pas, tout n'allait pas bien en fait. My life was a fucking mess at this time, genre vraiment pour le coup j'étais un mess, j'avais des cernes, je fumais, enfin bref. Laissez-moi parler de la Gloomy là. Là on va vraiment parler de Gloomy, la meuf brosson, la meuf qui fait rien, mais à part se moquer toute la journée là, elle fait rien de sa vie. Je dirais au mois d'octobre, un peu avant mon anniversaire, ouais du coup mois d'octobre en fait, je faisais grave des crises existentielles. Vraiment je me posais des questions sur moi, sur ma vie, sur mon avenir. Si tu connais les crises existentielles et les questions de ce genre là, tu vois de quoi je parle et tu vois le sentiment dans lequel j'étais prisonnière en fait. C'est clairement, j'étais vraiment enfermée dans une bulle à ce moment là. Je me sentais pas très bien. Mais j'allais bien quand même, enfin comment vous dire, ma crise existentielle, ma crise de la vingtaine, tout ce que vous voulez, elle ne m'empêchait pas de vivre et de sortir, de voir mes amis, etc. Enfin pour ceux qui me connaissent du moins, qui me suivent surtout sur Snap, vous savez que j'avais 3 meilleurs potes, genre vraiment les 3 meilleurs potos, c'était les 3 mousquetaires plus moi on était 4. Du coup bon les 4 mousquetaires là, on vivait notre meilleure vie, on voyageait ensemble, on allait partout ensemble. En fait, en me réveillant le matin, je savais que j'allais les voir, tu vois ou pas. Je me posais même plus la question, c'était une évidence pour moi. Et donc, dites-vous, avec ces potos-là, bah, j'ai quand même... Je les connaissais bien avant de rentrer dans le YouTube game. Donc, vous imaginez bien la relation que j'ai avec ces personnes-là. C'est-à-dire qu'ils connaissent ma vie, connaissent mes secrets, ils connaissent ma mère, ils connaissent tout, absolument tout de moi. Bah, ils connaissent tout, c'était mes meilleures potes, en fait, c'est tout. Je vais les voir et je leur dis, bon, écoutez, en fait, je me sens un peu mal, etc. Et je pense que même eux, ils le voyaient sans forcément que j'ai besoin de le dire. Parce que tu vois, quand une fille comme moi, vraiment pour le coup une fille comme moi, aussi énergique, aussi dynamique, passe
d'une bombe atomique à un pétard, tu dois remarquer quelque chose, tu vois, de base. Et bah bon, malgré mes appels de phare, les poteaux ils faisaient rien. Comment vous dire, j'étais vraiment dans un petit trou. Mais pas au fond du trou, tu vois, ça, là on pouvait encore m'extirper de là, tu vois. Et pour le coup, quand j'ai tendu la perche aux personnes que j'aimais pour leur dire que j'allais pas bien, bah ils l'ont pas saisi en fait. Je les emmenais partout avec moi dès que j'en avais l'occasion, parce que oui, je les aimais énormément, eux aussi ils m'ont aimé, tu vois, j'ai aucun doute là-dessus. Aux événements YouTube, aux soirées, tous les trucs comme ça, dès que je pouvais les emmener avec moi, ils venaient avec moi. Et parfois même, enfin la plupart du temps même, je demandais même pas la permission aux marques pour les ramener avec moi, c'est-à-dire que quand t'invites Gloomy, et les trois autres potos, carrément ça m'a porté préjudice à certains moments. J'en avais rien à foutre parce que pour moi, quand il y a à manger pour moi, tu vois, il y a aussi à manger pour toi. Je me posais même pas la question. Et en plus de ça les gars, faut savoir que je suis sagittaire. C'est quoi mon problème? C'est que moi quand j'aime quelqu'un, je l'aime à 3 milliards de %. C'est à dire que si t'as besoin de mon bras, je vais te l'arracher, je vais te le donner, wesh. Vraiment, pour le coup je suis tellement pas rancunière comme fille, je pense même pas à tout, on va dire tout ce que je t'ai donné, j'y pense même pas. Mais c'est juste que ça m'a foutu les boules en fait de voir qu'on s'en bat les reins, tu vois. Dites-vous que petit à petit ces personnes là ont commencé à me délaisser, ont arrêté de m'envoyer des messages, ont arrêté de m'appeler, ont arrêté de me voir, de me fréquenter carrément, wesh. Et en fait le truc c'est qu'à un moment donné j'en avais vraiment marre de pas d'être seule. Ça faisait quasiment 2 semaines que j'avais plus de nouvelles, qu'on me calculait plus. Vraiment j'étais enfermée dans ma chambre. Me, myself and die and my tears pour le coup. Je sais qu'il en faut peu, peut-être que c'est pas ton cas, mais en tout cas moi ça m'a vraiment... ça. Et bah j'étais triste en fait. Du coup c'est pas la Gloomy a fait quoi. Elle est pas cinglate celle-là. Je prends un message au poteau, je fais n'a manqué de nous voir en fait, n'a manqué de nous voir. Vous devez m'expliquer les trucs et tout. Parce qu'en soi ok, si vous voulez me parler, ne me parlez plus si vous voulez. Si vous pensez que je suis une personne toxique dans votre vie, ne me parlez plus si vous voulez. Genre si tu veux me drag me, mais explique moi tu vois ce qui s'est passé, tu vois. Après 2 semaines hein, quand je vous dis 2 semaines où j'ai pleuré ma mère. J'ai pleuré frère, pour des gens ils en ont rien à foutre de moi, j'ai pleuré pour eux alors qu'ils étaient en train de danser en boîte. Et dites-vous que c'était un mess, mais en plus quand je les ai vus j'étais tellement un mess, genre je comprenais rien du tout à ce qui m'arrivait à ce moment là. Déjà j'étais en crise existentielle, en plus on venait de m'abandonner. Enfin il y avait tellement de choses dans la foulée, dans ma tête, je comprenais plus rien. Enfin mon problème selon eux c'était... tu fumes trop en fait, meuf t'as grave changé, wesh. T'as grave changé, je suis choquée, t'es devenue grave agressive. Est-ce que tu te rends compte, la dernière fois tu m'as fait ça, il me sortait des trucs, il me disait ton problème à toi c'est la beuh, Sarah tu fumes trop, Sarah t'es mal combien de gens tu fumes par jour, etc. Bon wow, c'est... j'étais en mode elle a où. Je comprends plus rien à ce qui se passe en fait, donc là vous... ok, j'arrive vraiment à gérer ma consommation maintenant. Mais avant j'étais vraiment un mess, j'étais vraiment accro à la beuh, tu vois. Du coup c'était bah, comme un bébé qui a besoin de sa titine, j'en ai besoin constamment. Et dites-vous qu'en fait c'est vraiment la pire chose à faire. Une personne qui est sous l'influence de la beuh comme ça, tu peux pas la pointer du doigt directement et l'agresser pour lui dire c'est ça ton problème, c'est ça ton problème. Surtout que moi j'étais déjà en train de... j'étais plus bas que terre, tu vois. Et toi tu me montes du doigt, tu m'agresses comme ça en me disant ton problème à toi c'est la beuh. Wesh, un peu de quand même. Je comprends pas, vous êtes censés être mes amis, tu vois. J'avais l'impression juste qu'ils avaient pas du tout envie d'être dans mes problèmes. Pas du tout envie de me soutenir quand j'allais pas bien. Quand j'étais à ce moment-là de ma vie, ils étaient là avec moi, hein. Ils étaient en train de briller comme moi je brillais, tu vois. Et tous les quatre, on était en train de briller like never. Tu vois la tour Eiffel, elle peut éteindre ses lumières à côté la tour Eiffel. Et au final, moi je suis là. Y a rien. Je suis toute éteinte, je suis tout rabougrie, je suis toute moche. Tu peux avoir 150 milliards d'amis si ça te chante. Don't forget where you belong pour le coup. Genre ne m'oublie pas s'il te plaît. Ces personnages, c'est moi qui vous les ai présentés, n'oubliez pas. Je suis pas le genre de meuf, ouais non, je t'ai fait ça, je t'ai fait ça. Mais à un moment donné, un peu de quand même, un peu de comportement. Même si j'ai un problème, si je te fais chier, tout ce que tu veux, comme je vous ai dit, putain je vous aime. Dites-moi ce qui va pas, dites-moi ce qui cloche. Je vous jure que j'aurais fait un travail sur moi. Je suis tellement de ce type. Tu me fais pas de remarques, tu me fais rien du tout. En fait, tu m'as juste drop comme ça là pour aller t'amuser du coup avec tes potos. Et le dernier exemple qu'ils m'ont donné, enfin le dernier. Ouais, exemple qu'ils m'ont donné clairement, c'est. Sarah, je crois que tu nous aimes trop. The audacity. Genre, la personne elle m'a dit tu m'aimes trop. Mais je suis choquée. En fait. Avec du recul, c'est vraiment avec du recul maintenant et après ces 6 mois passés que je tiens ce discours là, mais pour le coup j'étais tellement choquée. J'aurais même dit mais tu m'aimes trop, je me sentais tellement humiliée en plus de ça, genre vraiment pour le coup j'aime une personne qui ne m'aime pas en retour. Je sais toujours pas c'est quoi la raison, avec d'autres trucs qui m'ont dit mais je m'en souviens même plus tellement ça date et tellement ça m'a... cette histoire elle m'a déprimée, elle m'a sucé mon sang, je veux même plus y penser. Pour en venir au fait les gars, après tout ça... je suis tombée en dépression en fait. Quand mes potos m'ont laissé tomber, je suis vraiment tombée en dépression parce que je ne connaissais pas d'autres personnes, je n'avais pas d'autres amis. Enfin si, évidemment j'avais des amis, tu vois, j'avais des potos, j'avais des connaissances, j'avais des personnes que je pouvais fréquenter.
Mais j'avais pas mes amis, j'avais pas les trois mousquetaires, c'était pas eux, c'était pas nos délires, c'était pas notre langage. Bah, je sais pas, ça m'a tellement rendu triste, ça a brisé mon âme, tu vois, le fait de plus leur parler comme ça. Ça m'a vraiment touchée. Et en fait, je comprenais vraiment pas comment j'ai pu perdre non pas un, non pas deux amis, mais trois amis d'un coup. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, il y a forcément un truc qui va pas chez moi, tu vois, parce qu'il faut se rendre à l'évidence et faut vraiment, vraiment reconnaître les erreurs quand on en fait et se remettre en question, faut savoir se remettre en question. Et le truc, c'est que bah, je savais pas si c'était moi le problème pour de vrai ou si c'était juste des excuses qui me sortaient pour me drop. Du coup, ça m'a rendu folle, littéralement. Dans le sens où pendant que j'étais en dépression là, après mon anniversaire en novembre, c'est une des dernières fois que je les ai vus, enfin où on se parlait encore, pas trop mais encore. Donc à ce moment là, enfin après mon anniversaire, j'ai commencé à m'enfermer chez moi dans ma chambre. J'habitais en banlieue, à Saint-Denis exactement, dans cette ville. J'avais un four qui était juste en bas de chez moi, c'est à dire que vraiment pour le coup je sortais de chez moi, je descendais les escaliers, je faisais 50 mètres et je pouvais acheter ma cons. Je m'en fumais littéralement toute la journée, je fumais. Rien à foutre, tu vois, pour le coup j'étais dans ma chambre toute seule à me poser plein de questions. Je me demandais pourquoi mes amis m'avaient laissé tomber, pourquoi est-ce que j'étais aussi nulle dans tout ce que je faisais. Quand je vous dis j'ai l'énergie, j'ai du Red Bull dans le sang. Le matin je peux me réveiller et sauter sur tout le monde, être vraiment, on va dire, cette boule de peps. Et là je m'étais perdue et carrément ça me faisait peur de me voir dans cet état là, de me dire mais putain mais meuf tu deviens quoi en fait, réveille-toi, qu'est-ce qui t'arrive, tu vas pas, tu deviens quoi là. Quelques mois ont passé, j'étais au plus bas, je fumais toute la journée carrément. J'étais dans une agence, dans une des meilleures agences de Paris d'ailleurs, en ce qui concerne l'influence, ça a carrément fucked up tellement que j'étais dans ma tête. Comment vous dire qu'il y avait des cases, c'est même pas des cases qu'il y avait, il y avait une seule case en fait et tout le reste était cassé. J'allais à mes rendez-vous professionnels défoncés, même mon patron, enfin mon patron, le gérant de mon agence, quand j'allais le voir j'étais flex, wesh. Enfin tout ça, tout plein de trucs, aux soirées, aux événements, j'étais défoncée. C'est à dire que même quand je voyais d'autres youtubeurs ou d'autres marques, les marques pendant les événements tu les vois face to face, wesh. Et moi j'arrivais comme ça à défoncer, juste parce qu'en fait tellement ma vie était de la merde, tellement ma réalité était de la merde, je ne voulais même pas être dedans. Bah du coup mes amis, pour en revenir à eux, et ensuite je tourne cette putain de page, mes amis ne me parlent plus du tout aujourd'hui. Il y en a juste un à qui je continue de parler de temps en temps et tout, et ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'a touché de voir qu'il est au final revenu vers moi. Mais les deux autres je ne leur parle vraiment absolument plus. Là j'ai un peu pleuré parce que c'est vrai que j'ai pensé à certains moments. J'ai passé mes meilleurs moments de ma vie avec eux en fait. Vraiment je pourrais pas oublier ça. Et c'est juste triste de me dire que bah je peux plus rien changer à la situation et que les choses ne redeviendront plus jamais comme avant. Mais vraiment jamais comme avant. Mais bon, je te souhaite tout le bonheur du monde et que Dieu t'accompagne dans tes vœux et tes souhaits et tes projets. Pour le coup tu vois, je peux pas leur souhaiter du mal. Mais je vais devoir me faire à l'idée que c'est fini. C'est tout. Je suis en plein développement personnel, tu vois. Du coup, je suis en train de me réhabituer à être seule parce qu'il faut savoir que j'ai jamais su être seule. C'est aussi pour ça que j'étais constamment avec eux, constamment avec l'un d'entre eux. J'ai très peur de l'abandon, j'ai très peur d'être seule. Et je pense que, pour le coup, j'ai tellement d'énergie, etc. Je sais juste pas comment consacrer cette énergie. Et je savais pas comment me donner cette énergie à moi-même, tu vois. Je suis à Berlin actuellement. Parce que oui, guys. Ah, depuis j'ai pas dit ça va là, là. Je crois que vous allez être surpris de moi, hein. Depuis vous savez que j'étais à Saint-Denis, tranquille, j'étais déprimée et tout. Et là il y a ma copine Aileen qui m'appelle. Déjà pour savoir comment j'allais, petit à petit elle commençait à me parler. Et même si j'étais vraiment dans un état très inquiétant, elle a doucement déposé ses miettes, on va dire, autour de moi. Ce qui fait que j'ai pu retrouver mon chemin. Ce qui fait qu'aujourd'hui je suis ici. Et le truc c'est que la pote elle est venue me voir à Saint-Denis et elle m'a dit bon écoute Sarah, ça c'est sûr, elle a vu mon état, vraiment je pourrais pas vous décrire comment j'étais, mais elle a vu mon état, elle a vu que vraiment j'étais à deux doigts, enfin mon âme était à deux doigts de quitter mon corps là. Donc pour le coup ma pote elle était là en mode bon bah Sarah c'est la catastrophe meuf, tu crées plus, tu dessines plus, tu fais plus rien, t'es même plus active sur les réseaux sociaux, ça veut dire que t'es une merde. Enfin, elle m'a pas dit ça comme ça, tu vois, mais elle m'a clairement fait comprendre qu'en fait, bah, un être humain qui fait rien, c'est, ça sert à quoi. Et même moi, enfin, tu vois, je suis un peu dans cette optique du il faut créer, il faut bouger, tu vois, enfin, juste, faut que tu sois un minimum actif, tu vois, de la personne que j'étais là, c'est pas possible. Elle m'a dit écoute Sarah, tu vas crever si tu restes ici, tu ne peux pas guérir dans l'endroit qui t'a rendu malade. Elle m'a convaincue de venir à Berlin juste pour voir en fait, pour voir comment c'est, etc, etc. Et au final j'y suis allée, ça s'est bien passé. Je suis venue ici en décembre de l'année dernière. Et pour le coup, il faisait moins 8000 ici, ouais. En décembre, Berlin c'est la mort. J'avais quand même kiffé Berlin, la vibe. Et ici il y a tellement d'artistes
de peintres, de poètes, d'acteurs. Tu vas au coin de la rue, tu trouves un auteur-compositeur. Cette ville est faite de plein d'artistes. Et le truc, c'est que depuis que le mur de Berlin est tombé, ce pays, enfin Berlin, a tellement souffert pendant la guerre et après cela, ils ont juste décidé d'être heureux et de faire ce qu'ils avaient envie de faire. Vous, vraiment, vous pouvez vous habiller comme vous voulez. Combien de fois, ici, je suis sortie des seins nus, je rigole pas, j'ai un pull. Vous savez quoi, je vais vous le chercher. Je vous disais, j'ai acheté un tee Alix Studio. Il se présente comme ça, comme tu peux le voir, le tee là, au milieu, il est grave transparent. Tu vois ou pas? Genre là, si je mets ma main, tu la vois à travers. Tu vois ou pas? C'est genre au niveau de la poitrine. Normal. Quand je l'ai vu, j'étais obligée de le prendre, mais c'était si bon. Bref, je me prends avec ça dans la rue, qui me cala? Qui me cala? Juste un. Calculer, personne ne me calcule. Alors je vous parle même pas de toutes les histoires tordues là qui se seraient passées si j'avais porté ce pull à Châtelet. Ah, les gens ici s'habillent comme ils veulent, ils sont qui ils veulent et personne ne leur pose de limites. Et pour le coup, j'avais tellement besoin de ça, j'avais tellement besoin de me remettre dans le bain, dans ce bain là en tout cas, dans ce bain d'artiste, parce que c'est clairement, enfin moi je me considère telle quelle, parce que j'aime vraiment créer, j'aime toucher la matière, j'aime créer de mes 10 doigts. C'est en créant que tu vas me donner envie de créer. Et puis on parle principalement anglais ici, donc il n'y a pas trop de problème avec ça. J'ai laissé ma mère et ma soeur à Saint-Denis pour venir ici. Et voilà, maintenant ça va faire 2 semaines que je suis ici. Non, un petit peu plus que 2 semaines. Et c'est que maintenant que je me décide de faire cette vidéo, parce que je vous jure que les gars, c'était une putain d'épreuve de filmer cette vidéo pour moi. Je l'ai filmée plusieurs fois. Et même la dernière fois que je l'ai filmée, du coup avant que je filme cette vidéo, j'en ai filmé une avant. Et bah je me sentais juste mal en fait. Et je sais pas, je me suis dit non, c'est pas le bon moment, c'est pas cette vidéo que je dois poster. Retourne là encore. J'ai eu si peur qu'il y avait un monstre derrière. Oh. Au final, j'ai retourné la vidéo. Et là je sais pas pourquoi, je me sens vraiment beaucoup mieux. J'ai l'impression que cette vidéo là sera la bonne, que vous allez comprendre ce que je veux dire, la phase que j'ai traversée un petit peu. Pour en revenir à Berlin aussi, et les choix qui m'ont poussé à venir dans cette ville, c'est que... Déjà, faut savoir que la ville ici, elle est super peu chère. Wesh, tu manges super bien. Le niveau de vie, bah, avec le salaire des gens ici. Leur SMIC à eux, c'est pas 1 500 € par mois. Mais en tout cas, pour moi, ça m'arrange, hein. Moi, je suis bien ici dans cette ville, c'est cool. Je sors, je vais rencontrer des gens. Carrément, j'essaye de trouver des stylistes ici pour savoir si elles ont besoin d'assistants. J'ai pas eu la chance de continuer mon école, enfin l'école tout court en fait. Donc bah, je me dis, mais en fait, je vais pas attendre le déluge, je vais pas attendre d'avoir 40 ans pour pouvoir réaliser que c'est trop tard. Donc je me dis, bon meuf, t'as 20 ans, stop, arrête de déprimer, ouais. Je regarde, toi, t'es belle, t'es jeune, t'as une belle skin, t'as des beaux cheveux, tu sais t'habiller, tu sais parler français, anglais, arabe. Enfin, en gros, bref, je me chèpe de fou, mais c'est comme ça que ça fonctionne et c'est comme ça que je recommence à reprendre confiance en moi, à m'apprécier et à surtout avoir confiance en la personne que je suis et au talent que j'ai, parce que c'est tellement important ça, wesh. En tout cas, partir de Saint-Denis pour arriver à Berlin dans une ville où je ne connais personne. Bon, j'ai 2 amis ici, tu vois. Je ne connais personne, je ne connais ni la culture, ni la langue. Et là, je me retrouve ici. Et ce pays, en moins de 2 semaines, il a réussi à me faire prendre confiance en moi, à me faire créer de nouvelles choses. J'ai rencontré de nouvelles personnes. Du coup, je practice my English. C'est grave cool. Je sens comme une bouffée d'air frais. Je suis contente de voir qu'en fait je suis plus sur la voie de la guérison que sur la voie de la dépression, encore une fois, parce que c'était vraiment, c'est une phase que je ne veux plus jamais connaître. C'est vraiment un truc horrible. Je ne veux plus jamais me sentir dans cet état, me sentir aussi humiliée, me sentir vide, me sentir abandonnée, me sentir juste conne et inutile, parce que c'est ce que j'étais en fait. Je faisais plus rien de ma vie et bah je sais pas. C'est tout plein de sentiments à la fois. Toi qui me regardes derrière l'écran là, voilà, madame c'est ou n'a qu'à regarder. Je sais pas si tu as connu une dépression, on passe tous par là. J'espère pas pour toi, enfin bon, c'est la vie, tu verras bien. Mais sache juste une chose, c'est que vous êtes pas seul. On traverse tous des phases, c'est normal. C'est normal parce que nous sommes des êtres humains, que nous avons un cœur, que nous avons des sentiments et que nous ressentons des choses. Et surtout, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Évitez de perdre votre temps surtout, parce que putain, la vie elle est si courte. La vie est si courte, je viens d'avoir 20 ans en fait, subhanallah. Je vais vraiment profiter de chaque seconde. Et là, de me dire que j'ai perdu quasiment 6 à 7 mois de ma vie pour des personnes qui n'en ont absolument rien à foutre de moi. Bah non, c'est pas possible en fait. Tu n'es jamais mieux accompagné que par toi-même. Personne ne t'aimera plus que toi-même. C'est toi la personne la plus importante, tu vois. Je veux juste être heureuse dans ma vie et
et pouvoir me trouver à l'avenir aussi, me développer, être la meilleure version de moi-même tous les jours. C'est ça où je voulais en venir quand je disais ne soyez pas trop dur avec vous-même. C'est que toutes les épreuves que vous allez connaître dans votre vie seront évidemment compliquées. On n'a rien sans rien, tu vois. La vie est compliquée. Comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas seul. Dites-vous juste que c'est qu'une mauvaise phase, que demain est un nouveau jour et que vous allez briller ce jour-là. Parce que t'es une personne incroyable en fait. Genre, je sais pas si t'es au courant, mais t'es sûrement super talentueux si tu sais pas. En fait, il y a même pas. Pour moi, c'est pas possible une personne qui n'a pas talent. C'est juste que tu n'as pas exploité ou tu ne sais pas encore ce que tu sais faire. Tout ça, ça s'apprend. On n'est pas né en sachant faire du vélo. On n'est pas né en sachant marcher. Essaye de te booster ta confiance en toi parce que t'es quelqu'un d'unique et d'incroyable. Tu sais faire des choses, t'es loin d'être bête. Pensez à votre bonheur avant tout. À votre bonheur avant tout. Les gars, je vous jure, la route est si compliquée. Il y a des dodanes partout. Il y a des trous de taupe là où je sais pas comment on dit ça. La route est impossible à traverser. Mais une fois que vous l'aurez traversée, la récompense qui vous attend au bout, elle dépasse de loin toutes vos surprises et toutes vos attentes. Parce que plus vous travaillez, plus vous aurez. Et le karma est derrière vous. Dieu est avec vous, ainsi que votre bonne étoile. Bref, tout l'univers est avec vous. En fait, il suffit juste de croire en l'univers et de lui donner une chance de vous aider surtout. Donc s'il vous plaît, ne pensez pas uniquement au négatif. Même quand tout va mal dans votre vie, essayez juste de vous dire que demain est un nouveau jour. Je crois que c'est la fin de cette vidéo. Bah ouais, toi. Je sais pas comment je vais t'appeler, comment je pourrais appeler la caméra, wesh. Enfin toi, la première qui est derrière. Maman la radis. Oui, les radis c'est si bon. Vous savez que les radis ici ça coûte 20 centimes. Les radis ici ça coûte 20 centimes quand ils sont en promo et 50 centimes quand ils sont pas en promo. Je mange des radis toute la journée depuis que je suis devenue un rabbit. Bon, je remets mes lunettes 2 secondes pour dire au revoir là. C'est si bon! Mais les gens qui aiment pas les radis, vous ratez, hein. Vous ratez, wesh. C'est pas grave. Il y en aura plus pour moi et la famille Lapin. Oh là là, faut que j'arrête de parler comme ça, wesh. En tout cas, voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Bon, je vais pas te dire j'espère que t'as plu parce que bon, en soi, elle est bizarre, elle est différente. La personne là qui est derrière l'écran là, je voulais vraiment te remercier fois 1000, fois 1 milliard. Pour tous les messages que tu as pu m'envoyer. Même si c'est pas le cas là en soi, je m'adresse au Gloomy Gang. Merci infiniment pour tous les messages que vous m'avez envoyés sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat. Vous m'avez jamais lâché. Et je suis désolée moi de vous avoir lâché. Parce que c'était pas du tout mon intention. C'est juste que vous savez quand à cette période de ma vie où j'étais tellement mal, je ne voulais absolument pas me filmer dans cet état. Et parce que moi, comme vous le savez, vous me connaissez, j'ai tellement d'énergie que dès que j'allumais ma caméra pour essayer de filmer et que j'allais ne serait-ce qu'un tantinet pas bien, ça se voyait, ça se ressentait partout. Et moi je suis vraiment cette personne qui projette de l'énergie. Quand je suis à mon maximum, c'est de l'énergie très positive et du coup très très heureuse. Mais quand je suis dans le mal, c'est tout autour de moi est en train de prendre feu, tu vois. Et je voulais vraiment pas vous mettre dans le mal ou créer un contenu de merde encore plus merdique que ce qui se trouve actuellement sur ma chaîne. C'est grâce à vous. C'est vraiment grâce à vous en partie bah, que j'en suis là aujourd'hui et que je sors cette vidéo parce que vraiment, toi là, cet écran, toi là, tu comptes beaucoup plus que ce que tu ne crois. En tout cas, moi, tu m'as beaucoup aidé et t'es dans mon cœur en tout cas. Du contenu arrive très prochainement sur ma chaîne. J'espère que vous aurez apprécié la nouvelle Gloomy. Parce que quand même, c'est Gloomy d'avant, mais en un peu plus... En 2.0. Voilà. J'espère que vous allez kiffer la Gloomy 2.0, ma gueule. J'y crois qu'elle va faire des bêtises et des folies, hein. En tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je te fais de gros bisous. Oula, je te fais de gros bisous. Et on se voit la prochaine fois. Bisous.